Tac 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 test 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 test.
Bon, quand c'est rouge, ça veut dire que vous pouvez parler, qu'on vous entend. D'accord. Voilà.
Bon. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce conseil municipal du mois de juin. Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Lionel Robert, qui va nous faire un petit exposé sur le PLUI. Mais par anticipation, j'ai trois points que je voudrais mettre en avant et que je veux lui dire, je lui ai déjà dit, je ne voudrais pas que ce PLUI soit un argument économique pour la pénétrante. Voilà, un premier point. Et le deuxième point, j'aimerais savoir, comme je pense toute l'Assemblée, j'aimerais savoir ce que le PLUI peut nous amener, nous, commune d'Evance, sachant que notre PLU, qui date du 18 février 2020, est grenélisé, qu'il a été fait en complète adéquation avec le SCOT et le SRADET. Donc, la question se pose, je pense que Lionel pourra nous éclaircir là-dessus. Et le sentiment aussi de tout le monde, c'est qu'on ne voudrait pas payer une seconde fois ce que l'on a payé. Voilà, je mets tout ça sur la table d'entrée, comme ça, et je te donne la parole. Voilà. Bon, bonsoir à tous, donc merci de m'accueillir. C'est bon pour le son, ouais. Voilà, donc je vais essayer d'oublier aucun point. Hein. Tout d'abord, je vais juste faire un petit rappel réglementaire et législatif. Donc, ce que je n'ai pas oublié, c'est que donc en juillet 2021, il y avait la possibilité pour les communes, il y avait une prise de compétence automatique, sauf si les communes, une minorité de blocage, hein, comme dit la loi, votaient contre cette prise de compétence PLUI. Donc là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hein, j'espère si c'est trop technique, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, ce n'est pas le fait de revenir avec le sujet aujourd'hui, ce n'est pas pour bafouer les votes qui ont contre, mais c'est bien parce qu'il y a eu un changement du contexte législatif. Donc, je disais, il y a eu un refus de prise de compétence au niveau de la communauté de communes en juillet. Et fin août 2021, le 22 août, était votée la loi Climat et Résilience, donc en France. Qui impacte énormément l'urbanisme. Donc la loi Climat et Résilience, c'est une centaine d'articles, et sur cette centaine d'articles, il y a quatre ou cinq articles qui concernent l'urbanisme. Et qu'est-ce que dit en deux mots cette loi ? Elle dit que en France, au niveau des communes, ce que nous avons consommé en terrain constructible sur les 10 dernières années, c'est-à-dire de 2011 à 2021, on prend un volume, c'est mesuré, hein. Donc on prend ces surfaces et on divise par deux cette surface pour dire ce que les communes vont pouvoir consommer sur les 10 prochaines années. Et ensuite, à partir de 2031, on refera la même manipulation, c'est inscrit dans la loi, c'est-à-dire que ce qui aura été consommé entre 2021 et 2031, on redivisera par deux la surface. Et donc il y aura ce qui reste, ça pourra être artificialisé, construit, jusqu'en 2041, et ensuite de 2041 à 2050, juste le temps de se mettre en ordre pour arriver au zéro artificialisation nette qui est inscrit dans la loi, c'est-à-dire qu'on ne consommera plus un mètre carré de surface pour construire, sauf si ce mètre carré est compensé par une renaturation ailleurs sur le territoire. Donc ce changement qui est, à mon sens, très très important du contexte législatif, couplé aussi à l'approbation du SCOT, hein, qui arrive ici. Donc le SCOT pour la commune d'Evance, le SCOT annonce la commune d'Evance comme une centralité qui doit être renforcée. Donc la première centralité dans le SCOT, c'est Aubenas, hein, c'est le principal, mais ensuite les bourgs-centres doivent avoir, on doit renforcer les bourgs-centres. Donc fort de ces points techniques, je suis allé déjà regarder les chiffres. Alors, je pensais le projeter. Enfin, c'est sur le portail de l'artificialisation, hein, quelque chose qui est accessible, donc qui est un site gouvernemental. Et donc, commune par commune, on a une estimation, un chiffre d'artificialisation des surfaces consommées. Donc on voit que vous avez, sur la commune d'Evance, c'est annoncé 22 hectares de consommés sur la décennie. Et quand on se reporte sur le document d'urbanisme, sur le PLU, et dans le rapport de présentation, à la page 155, on voit que
l'ensemble des potentiels constructibles pour les 131 logements sur une surface de 96 hectares. Donc en fait, on s'aperçoit que sur le PLU ne va pas consommer plus la moitié de ce qui a été consommé sur la décennie. Donc déjà, ça couplé au SCOT, il y aurait moyen de trouver de la surface constructible ou artificialisable. Parce que la loi climat et résilience, c'est constructible, mais aussi quand on crée des routes, ça rentre dans le calcul. Donc ça, c'est un premier point pour dire qu'est-ce que la commune a y gagné. Voilà. Alors ensuite, pour faire vite, il y a comment est arrivée la démarche de demander du côté communauté de communes que l'on redemande aux communes une éventuelle prise de compétence. C'est dans la démarche donc des projets donc d'aménagement en cours. Donc il y avait la résorption de la friche et il y a surtout les zones d'activité. Donc on s'aperçoit sur les zones d'activité différents points techniques. Premièrement, très récemment, les services de l'État nous ont transmis un risque potentiel qui n'est pas encore au niveau du porté à connaissance, mais que l'on doit tenir compte d'une zone inondable sur Balagère. Donc on nous demande de nous reculer de 20 mètres par rapport au ruisseau. Donc tout ça, c'est de la zone qui n'est pas développable. Donc il va falloir trouver éventuellement le SCOT nous annonce 5 hectares de zone d'activité. Ces 5 hectares, normalement, étaient à peu près délimités. Et on s'aperçoit, en fait, que déjà, il y a des mètres carrés qui partent en zone inondable, donc qui ne sont pas utilisables. Deuxième point, sur le PLU, donc des Vences, quand il a été approuvé, les services de l'État, par rapport à la défense incendie, avaient une doctrine en demandant qu'il y ait un recul de 30 mètres de sécurité. Mais ces 30 mètres n'étaient pas intégrés en zone U, c'est-à-dire qu'on perdait carrément 30 mètres d'aménageable. Entre-temps, le SCOT, lui, est intervenu, a travaillé, et ces 30 mètres viennent en supplément, si vous voulez. Donc pour retrouver toutes ces 5 hectares de zone d'activité, ça nécessite la modification des documents d'urbanisme qui concernent donc les Vences et Chambonas, pour arriver aux surfaces qui sont annoncées par le SCOT. Donc ça, ce sont, j'allais dire, deux points qui concernent directement la commune des Vences. Et le troisième point, sans être un argument économique, j'entends, mais il n'empêche que pour faire une zone d'activité, une déviation, enfin, qui est marquée, qui est inscrite dans les statuts, des statuts de la communauté de communes, que, je veux dire, personnellement, avec mon poste de vice-président à l'aménagement, j'ai sur ma feuille de route. Donc, je me suis posé la question parce que c'était lié à l'aménagement des zones d'activité. On commençait à être sur le même périmètre. J'ai essayé de me mettre en condition réglementaire pour démarrer ce projet. Et sans un PLU intercommunal, c'est quasiment voué à l'échec. Déjà, première raison, quel que soit l'emplacement, parce que la position précise de cette déviation n'est pas fixée, si qu'on aille sur le fond, qu'on traverse tout de suite le bourg d'Aric, enfin tous les tracés qui ont été étudiés jusqu'à présent, prévoit de passer sur la déchetterie. Donc il va falloir, en cas de réalisation de cette pénétrante, il va falloir déplacer la déchetterie. Cette déchetterie, c'est de l'artificialisation. Donc, si on la met, si on installe, quelle que soit sa nouvelle position, on va artificialiser sur une commune plutôt qu'une autre. Donc, il y a eu plusieurs hypothèses, mais il y a quelques hypothèses qui étaient sur les Vences. Donc, c'est un projet qui est, j'allais dire, la déviation et la déchetterie qui concerne tout le monde, autre que les Vences. Et donc, si on n'est pas en PLU intercommunal, l'artificialisation, les services de l'État vont la compter au niveau de la commune, strictement de la commune. Donc, j'allais dire, le petit delta qui a pu être gagné là, sur les premiers chiffres que je donnais, il va être directement perdu par ces déplacements. Donc, tout ça, en cumulé, nous ont incité à proposer de prendre cette compétence. Donc, pour prendre cette compétence, il y a eu un travail déjà d'analyse du refus de la prise de compétence de juillet 2021. Et la principale raison qui est ressortie, c'était, on nous disait, on ne sait pas comment cela va être organisé, c'est-à-dire comment vont être prises les décisions au niveau de l'élaboration du PLU intercommunal. Donc, en commission, on a
travailler sur l'élaboration d'un projet de charte qui serait annexé à la délibération de prise de compétence. Donc ce projet de charte, donc qui lie les communes, prévoit la représentation, comment les communes seront représentées pendant les séances de travail, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui dure 4 années, après 3 années et demie, 4 années pour réaliser un PLUI, donc il y a pendant les séances de travail. Donc les grandes lignes, c'était de dire que, dans un premier temps, ben, le groupe de travail serait composé de deux représentants par commune. Hein, ça. Ensuite, que si on décompose en phases, comme un PLU ou un PLUI, il y a une première phase qui est un diagnostic. Donc ça, commune, communauté de communes, c'est un constat. Donc on peut le valider par commune, par communauté de communes. Le projet n'est pas, c'est pas là le point fort. Ensuite, la deuxième étape, c'est le projet d'aménagement et développement durable, le PADD, c'est le projet politique. Là, c'est le projet de territoire, il doit être partagé par l'ensemble des communes. Donc ça reste, j'allais dire, un travail au niveau intercommunal. Hein. Et ensuite, la troisième étape vient l'étape du règlement. Donc il y a deux règlements, le règlement graphique, ce qu'on appelle le zonage, et le règlement écrit. Et donc ça, on a l'expérience, par exemple, de Baume-Droby, où ce sont les communes, ensuite, avec les règles issues de la loi, du code de l'urbanisme, de ce qui a été vu quand même dans le PADD, et donc les règles du SCOT, le renforcement du bourg-centre d'Evance, ça c'est marqué dans le SCOT, donc ce sont des obligations. Donc avec toutes ces règles, le zonage, les libertés qui sont laissées, sont dans la charte de gouvernance, on prévoit de les transmettre aux communes, c'est-à-dire que ce sont les conseils municipaux ou leurs commissions qui décideront de l'aménagement, de l'ouverture à l'urbanisation de tel ou tel quartier, y compris du dessin des OAP, c'est-à-dire des orientations d'aménagement et de programmation. Ce sont les schémas d'aménagement de chaque zone. Donc, je crois que sur la commune d'Evance, il y a une OAP, une OAP d'extension, je parle, d'extension du bourg. Des OAP, il y en a plusieurs, quand même. Donc, oui, il y a plusieurs OAP, mais après, en extension. Parce que quand on est en urbanisme, les communes, il y a ce qu'ils appellent le mitage et les dents creuses. C'est-à-dire que déjà, il y a des zones constructibles à l'intérieur des hameaux ou du bourg. Et donc ça, de fait, elles sont constructibles. Et ensuite, quand quand on prend le reliquat de surfaces constructibles qui peuvent être allouées, il y a moins de zones. Donc moi, j'avais en tête qu'il y en avait au moins une derrière la maison médicale dans ce quartier-là. Mais Du côté de la rue du Quai, hein, ou là. Oui, voilà, vers la rue du Quai. Mais j'avoue que là, je n'ai pas vérifié. Donc, l'idée, ça serait, au niveau du zonage, de laisser cette compétence au niveau des communes. Enfin, c'est pas ce que l'idée, c'est ce qui est marqué sur la proposition de charte de gouvernance. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, il y a deux points qui nous venaient quand même importants. C'est que, pourquoi est-ce qu'on revient vers vous maintenant, et pas dans 6 mois, dans 1 an, et on souhaite, c'est que démarrer un PLUI sans avoir le temps matériel de le terminer, c'est, comme on parlait du souci économique l'élaboration du document, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Parce qu'on va être énormément avancé. Si on n'a pas le temps de l'approuver, les équipes municipales suivantes vont vouloir reprendre, ce qui est normal, le projet, se l'approprier. Et donc, on va remettre à jour les diagnostics, reparler du PADD. Donc, en fait, on va faire une fois et demie le boulot. Et donc, ça ne serait pas efficient et économiquement intéressant de le prendre trop tardivement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport à la loi climat et résilience. Si on se projette un petit peu, s'il n'y a pas une prise de compétence avec la mise en place, une prise de compétence rapidement, avec une mise en place dans le PADD notamment et dans le zonage des projets structurants, hein, donc déchetterie, station d'épuration, je dis au hasard, le contournement, si on ne le fait pas là, donc avec une fin d'élaboration de documents avant les prochaines élections, c'est-à-dire 2026, et donc que cette prise de compétence n'est prise qu'après ou pas, ça veut dire que le travail, imaginons qu'on se retrouve à partir de 2026, l'élaboration d'un document nous amènerait en 2030-2031, là on est sur la deuxième phase de la loi climat et résilience, c'est-à-dire qu'on va rediviser encore par deux. Et donc
quand on est à 200 hectares, il nous reste 20 hectares, pardon, 10 hectares, il nous resterait. Il nous resterait que 5 hectares, si je prends l'exemple des Vences, pour l'ensemble de l'aménagement. Et donc là, ben, les latitudes pour des aménagements de services plutôt que de l'habitat sont plus compliquées à prévoir, quoi. Juste une remarque, Lionel, c'est que dans le cas de notre PLU, on est passé quand même de 120 hectares à 5, négocié à 8. C'est quand même une coupe sombre, déjà. Eh bien, oui, c'est une coupe sombre, mais alors, les discussions avec les services de l'État sont longues. Mais quand on voit le SCOT et climat et résilience, je pense que la coupe a été trop sombre. C'est-à-dire que si on applique la loi climat et résilience, qu'on applique le SCOT qui dit qu'il faut renforcer la centralité, ce sont deux arguments qui montrent que, à cette époque, les services de l'État avaient directive, enfin, disaient qu'il faut réduire au maximum. Donc ils ont réduit, ils ont fait le job. Mais quand on applique, là aujourd'hui, climat et résilience, avec division par deux, depuis les 10 dernières années, suivi d'un SCOT qui dit que les Vences, enfin, le bourg-centre doit être bourg-centre, pour être précis, c'est bourg-centre en premier et pôle secondaire, mais bourg-centre, doivent être renforcés. Eh bien, quand on additionne ces deux choses, qu'il faut en parler au niveau d'un projet politique, d'un PADD, je pense que la coupe est trop sombre. Là. Donc, potentiellement, on peut récupérer de l'espace constructible, alors. L'espace aménageable, je préfère le dire. Parce aménageable, oui. Aménageable, oui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est une nuance. C'est-à-dire qu'on parlait d'espace consommé, c'est-à-dire qu'il ne regardait que la construction. Et avec le ZAN, climat et résilience, on vient sur de l'aménagement. C'est-à-dire, donc, si on prend un aménagement tel qu'une déchetterie, ce n'est pas constructible, mais pourtant ça va être comptabilisé. Voilà. C'est l'équipement public. Oui, voilà. Voilà. Donc tout ce qui est aménageable, oui, potentiellement, il y a de quoi récupérer. Oui. Pour moi, oui. Après, c'est au travail. Ouais, c'est ce que j'entends, ce que je retiens. Donc pour cette prise de compétence, comment ça va se dérouler? Il va y avoir, donc on l'a présenté au niveau de la communauté de communes en conférence des maires. Alors ça s'appelle, nous, en bureau élargi, mais en configuration conférence des maires, parce qu'en PLUI, la loi prévoit une assemblée en conférence des maires deux ou trois reprises pendant l'élaboration, au moment des votes. Donc en conférence des maires, il y a eu une première prise de vote, enfin, même c'est informel. Ensuite, elle doit être présentée en conseil communautaire. Si la délibération est approuvée en conseil communautaire, ensuite, chaque commune va devoir, dans les trois mois qui vont suivre le conseil communautaire, se prononcer. Donc si une commune ne se prononce pas et laisse passer, ça voudra dire que ça sera un avis favorable de fait. Et par contre, donc on arrive sur une règle de minorité de blocage. Et à la lecture des articles du Code des collectivités territoriales, une commune qui représente plus de 25% de la population pour une prise de compétence pendant le mandat, a un droit de veto. Donc ça, c'est ce qu'on lit dans le Code de collectivité. Ça veut dire que les Vences, vous avez le droit de veto. Un droit de veto, c'est-à-dire que si le conseil municipal des Vences vote contre la prise de compétence, le débat est clos. Voilà. Moi, c'est clair. Bon, c'est bien. Bon, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a un autre conseil derrière. On ne va pas dédier quand même ce conseil municipal au PLUI. Je voulais que Lionel fasse un petit exposé sur ce qu'il en était réellement et surtout sur ce que ça pouvait amener quand même à la commune des Vences. Hein? Mais vas-y, Thierry, je t'en prie. Le PADD, c'est donc l'acte politique pour réaliser ce PLUI. Et si j'ai bien compris, il y a deux personnes par commune qui discuteront de ça pour parler du renforcement du bourg-centre. C'est-à-dire que le bourg-centre ne sera pas plus représenté que n'importe quelle autre commune de la communauté de communes. Ça me pose un problème. Alors, comme je disais, c'est un projet de charte de gouvernance. Il doit être délibéré. Premièrement, il est prévu d'être délibéré pour être porté à la connaissance des conseils municipaux qui vont voter. Et au moment de la prise de compétence,
il peut aussi être revu ou au moment de la prescription. C'est-à-dire, donc ça peut être au prochain conseil communautaire, comme ça peut être au moment de la délibération pour prescrire le PLU intercommunal. Enfin voilà, on peut. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ces deux représentants, c'est le comité de pilotage. C'est deux ou X représentants, c'est le comité de pilotage. On peut difficilement travailler à 150 conseillers municipaux ou 100. On le voit, moi je le vois pour le SCOT. On est en phase d'approbation. On est sur des points hyper techniques. C'est sans faire injure à aucun élu, c'est vrai que quand on est sur des points hyper techniques, c'est difficile de mobiliser sur ces points. Thierry, toi, c'est au niveau de la représentativité. On a pu un peu s'en apercevoir sans rentrer trop dans le détail la semaine dernière sur le projet de territoire. Je trouve pas ça, cette organisation-là, pour parler du bourg-centre, du renforcement du bourg-centre et des problèmes du bourg-centre, moi je pense que... Cette commission, elle parle du PLUI. Elle parle, alors, oui, certes, oui, il y a le bourg-centre, mais on va bien pas, que la c'est pas la communauté de communes qui va refaire le PLU des Vences. C'est pas, non, mais c'est pas je voudrais bien que la méthode change un tout petit peu et que, disons, qu'on laisse les responsabilités de décision ou d'orientation à ceux qui sont concernés. Et dans ce cas-là, quand je trouve pas ça très normal que des communes qui sont très éloignées aient la même voix, la même importance, la même voix que ceux qui sont directement concernés, que la commune des Vences. Puisque ce PLUI est quand même visiblement très tourné vers le bourg-centre, quand même. Non, un PLUI, c'est sur l'ensemble du territoire. Si aujourd'hui j'ai pris des exemples, parce que je m'adresse au conseil municipal des Vences. C'est sûr que si la semaine prochaine, ou enfin dans quelques jours, je dois aller au conseil municipal de Saint-Paul, je vais regarder le PLU de Saint-Paul et je vais prendre des exemples sur le PLU de Saint-Paul. Le PLUI, il va travailler, il concerne l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Donc des PLU qui sont, souvent m'a posé la question, nous a posé la question, des PLU qui ont été grenellisés. Est-ce que le zonage sera à revoir complètement? Non. En plus, premièrement, comme on disait, c'est vous qui avez la main, d'après la charte de gouvernance, on laisse la main sur le zonage. Le PLU, il est Grenelle, il n'y a pas de raison de tout casser. Alors, a fortiori, vous, en plus, moi, en reprenant les chiffres, je pense que vous avez à gagner en surface aménageable. Voilà. Mais après, c'est sur la représentativité, je comprends, au niveau du PADD. Le PADD, c'est l'ensemble du projet. Alors, le PADD, normalement, il va être là pour traduire le projet de territoire qui a démarré vendredi dernier. C'était une première approche, une première rencontre. Normalement, ce projet de territoire doit aboutir, je crois, Joël, le président, a parlé d'une année à peine. On n'aura pas fini. Si on prend une compétence aujourd'hui, PLUI, le diagnostic dans un an ne sera pas terminé, sera à peine terminé. Donc, en termes de calendrier, ça fonctionne, ça se chevauche, ça s'enchaîne très bien. Donc, le projet de territoire qui aujourd'hui est débattu en communauté de communes, il prendra une structure, juridique. Que sinon, il va rester sur une charte. Tandis que là, bon nombre de points. Je ne dis pas qu'un PLUI couvre tous les points. Mais même sur certains aménagements, des points qu'on pourrait penser très éloignés de l'urbanisme, mais des points comme le sport, il faut des aménagements. Mais par exemple, la santé, même sur certains points, on arrivera à trouver, à traduire les décisions qui seront prises, par exemple, sur la santé, dans un PLUI. Vous espérez ? Parce que ce n'est pas trop ce qu'on a entendu vendredi. Enfin, on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble. Voilà. Mais par contre, sur la représentativité au niveau du PADD, alors il y a tout un circuit, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la cheville ouvrière, c'est-à-dire des personnes qu'on arrive à mobiliser pour ensuite aller discuter pour présenter au Conseil communautaire, mais aussi à l'Assemblée des maires, donc qui ensuite, ces PADD vont être débattus, le PADD va être débattu dans chaque conseil municipal aussi. Hein, pour être éventuellement amendé. Quoi. Mais nous, on ne veut pas refaire le nôtre, le PADD. Il a deux ans.
Il est à reprendre tel quel. Pas de problème. Si, oui. si il intégrait la déviation, par exemple, là, moi, la déviation des ventes. De mémoire, non. Ouais. Donc peut-être qu'il faudra. Il est aménagé, d'accord. Peut-être qu'il serait intéressant de le reprendre, mais après, on peut dire qu'on ne le reprend pas. Hein. Enfin, non, voilà, c'est peut-être qu'il faudra aussi revoir les documents d'urbanisme. Pardon, j'ai pas. Il faudra revoir peut-être aussi les documents d'urbanisme, ce qui intègre la pénétrante. Oui. Oui. Les documents d'urbanisme, c'est-à-dire. Eh bien, je veux dire les PLU. Oui. Ils sont en fait obligés de les revoir. S'il y a un PLU, il remplacera l'ensemble des PLU. Mais si, oui, mais là, si on devait commencer, c'est pour ça que c'est un des éléments qui me montre que ce dossier-là, hein, particulièrement la pénétrante, pour moi, est quasi. Alors, sur le papier, on pourrait très bien dire que c'est réalisable, hein, mais en 30 ans, en une durée très longue, qui du coup nous amènerait sur Lausanne. Donc, les deux cumulés, d'un côté climat et résilience avec le zéro artificialisation nette à 30 ans. Et de l'autre côté, des contraintes réglementaires fortes et longues à contourner et à moduler parce qu'on a deux PLU, voire trois PLU à modifier, puisqu'on ne sait pas où la déchetterie, où est-ce qu'on va la mettre, se mettre d'accord. Comment est comptée cette artificialisation d'une commune sur l'autre, parce que c'est un équipement public. Est-ce que ça doit être seulement la commune qui porte les nouveaux équipements, qui doit porter le décompte de l'artificialisation, enfin, toutes ces questions, si on n'est pas sur un raisonnement PLU intercommunal, vont très rapidement être bloquées. Donc ce sont ces types de dossiers qui vont être bloqués et qui ne pourront pas évoluer. Bien. Bon, moi j'ai juste une petite remarque. J'ai bien entendu tous vos arguments, monsieur, que je comprends complètement, mais par contre j'ai deux questions un peu brutes. brutes. Que risque de coûter le PLUI à la commune des Vences, premièrement? Ouais. Ensuite, si j'ai bien compris tous vos arguments, la création de la déviation, elle est soumise à la création de ce PLUI. Et pourquoi? Parce qu'il y a bien des communes en France où qui créent des voies sans pour autant être reliées par un PLUI. Alors pourquoi cette déviation est soumise à cette création du PLUI? Je commence par le coût, rapidement. Le coût pour chaque commune, en direct, sur la fiscalité directe, est nul, zéro. Ça sera pris sur les fonds, enfin sur de la communauté de communes. C'est nous quand même. Hein. Oui, mais oui. Non, mais j'entends. Mais il n'y aura pas un fonds de concours. On a regardé. C'est hormis subvention en prenant large, on est à 200 000 euros sur 4 ans. Ça fait 50 000 euros par an, sans embauche et tout en externalisant et sans embauche pendant cette période. Là, vous nous étonnez. Pardon ? Sans embauche, vous nous étonnez. Ben, par contre, c'est vrai que c'est en fonction de la population, donc c'est les ventes qui vont payer plus cher. Hein. Le deuxième point sur les déviations. Aujourd'hui, les déviations, les autoroutes ou autres déviations, depuis le mois d'août dernier, rentrent sous un autre. C'est-à-dire qu'il s'est fait des déviations, j'entends, hein, mais depuis le mois d'août dernier, elles vont être comptabilisées sur l'artificialisation. Donc, dans 10 ans, quand vous aurez, par exemple, 5 hectares de disponibles, vous aurez le choix de dire est-ce qu'on garde 3 hectares pour l'aménagement d'une déviation, ou est-ce que politiquement, il est plus intéressant de garder ces 3 hectares pour du logement et du terrain constructible? Parce que si on n'est pas en PLUI, vous allez calculer sur les hectares qui vous seront rendus. Ce que vous avez consommé, divisé par deux pour la première décennie. Donc en 2030, on est sur une deuxième division par deux. Donc aujourd'hui, vous avez consommé, d'après le portail de l'artificialisation, 20 hectares. Donc sur la décennie à venir, si vous restez seul, vous êtes à 10 hectares. Ce qui est marqué dans votre PLU actuel, ce n'est même pas 10 hectares, c'est un peu moins, c'est 9 et quelques. Donc, si vous ne changez pas votre PLU, vous n'allez pas consommer ces 9 hectares. Il va très certainement y avoir de la rétention. Donc, rendez-vous en 2031, où on va compter ce que vous avez consommé entre 2021 et 2031. Voilà, donc on sera autour, largement en dessous des 5 hectares. Pour moi, vous n'aurez pas vos 5 hectares, vous n'aurez pas consommé les 9 divisé par 2, ça fait 4,5, ce qui n'est pas consommé, vous aurez 3 hectares de disponibles. Donc là,
3,5, là, le débat, pour moi, sera clos. Parce que c'est où vous mettez de la surface constructible quelque part, ou vous faites une déviation. Mais pas les deux. Dans l'état actuel de la réglementation. Parce que souvent, on m'oppose en me disant « Mais les lois, ça ne va pas tenir. Le projet de loi, encore, le Sénat lance une commission et veut attaquer sur certains décrets, mais ne remettent pas en cause le ZAN. » C'est-à-dire que sur le quinquennat à venir, le ZAN va être maintenu, quoi qu'il arrive. J'ai deux questions à vous poser. La CONCOM a toujours été opposée jusqu'à présent. À quoi ? À la pénétrante. Qui va nous prouver que dans le mandat prochain, ils seront d'accord ? Personne. Moi, je l'ai sur. Depuis que je suis à la Comcom, je l'ai sur ma feuille de route. Oui, ça fait deux ans, mettons. Non, non, moi, ça fait deux ans. Et je travaille donc dans. Bon, ben, le temps que les choses s'engagent et s'harmonisent. Oui, ça fait deux ans. Donc, nous, enfin, pour moi, elle fait partie des projets, quoi. Puisqu'on on a commencé à évoquer le financement de ce projet. Et le mois dernier, on a essayé de l'intégrer sur le projet Petite Ville de demain. Ça nous avait été déconseillé par les services de l'État. Et lors de la visite de l'entreprise Payen, on a réévoqué le sujet avec le préfet et le sous-préfet. Et ils nous ont dit, mais si les élus souhaitent l'intégrer, il n'y a pas de raison qu'on n'intègre pas ça dans les dispositifs. Donc pour nous, c'est d'actualité, on en a parlé au sous-préfet. Mais c'est pas innocent si Georges pose la question, parce que lors de la mandature précédente, il y avait quand même une levée des boucliers des autres maires qui nous disaient, oui, vous comprenez, nous, c'est au vin, c'est... on n'en a rien à faire. Voilà ce qu'on attendait. Je veux dire, ça, on l'a assez attendu. Hein. C'est dans les statuts. Moi, oui. je reconnais que je n'étais pas élu au mandat précédent, mais moi, pour moi, on a tout ça. Il n'est pas question de le planter, de l'arrêter ou de faire quoi que ce soit. Sur le fait de la pénétrante, on ne peut pas être contre. Mm-hmm. Comprenez bien, le conseil municipal des bases, on ne peut pas être contre. Mais si la communauté de communes était contre la pénétrante, l'astuce, je la connais, on laisse passer encore les deux tiers du mandat et on ne parle plus d'urbanisme. Et la pénétrante, pour moi, c'est une intime conviction, est bloquée. Vous avez interrogé la communauté entièrement ? Vous avez posé la question s'ils seraient d'accord ou pas. Parce que c'est facile de nous dire c'est d'accord. Non, mais après. On en a parlé en commission. Il y avait des représentants de la. On en a parlé en commission, on en a parlé en bureau. C'est les 30 demandes. Concernant la pénétrante. Peut-être qu'il y a certaines modalités qui feraient que la les communes composant la communauté de communes seraient plus d'accord. Enfin, j'ai quand même entendu parler, moi, d'éventuelles participations des communes concernées, hein, savoir Chambonat et Lévance, dans le financement de cette pénétrante. Je ne sais pas où on en est là-dessus, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si... Pour l'instant, le tracé n'est pas choisi. Si on reprend dans l'ordre, le tracé n'est pas choisi, avec entre autres des arguments économiques. Il y a moins d'un mois, on reçoit, un porté à connaissance de l'État sur un retrait obligatoire pour une zone inondable. Les chiffrages qui ont été réalisés sur le précédent mandat prévoyaient, il y avait une des hypothèses avec un pont sur le Bourdaric qui devait laisser un mètre de tirant d'eau sur une crue maxi, de tirant d'herbe. Donc, il y a une contrainte supplémentaire qu'il faut revoir l'ouvrage. Enfin, aujourd'hui, avant de faire un choix et un mode de financement précis, il faudrait connaître et le tracé qui est retenu, avec quel coût ça. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Est-ce qu'on travaille sur l'hypothèse et ensuite on regarde réglementairement qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre qu'est-ce qu'il faut changer pour mettre en œuvre ce projet ? Ou est-ce qu'on travaille réglementairement ? Moi, par rapport au calendrier, comme je vous disais, je reviens sur climat et résilience, il est nécessaire de travailler rapidement sur le contexte réglementaire. Après le contexte technique et financier, je n'ai pas eu le temps. On a déjà une approximation quand même au niveau du projet.
L'étude a été réalisée, on savait à peu près combien ça allait nous coûter. On a parlé de 1 million le pont et on était aux alentours de 3 millions sur l'ensemble, à peu près. Oui, moi j'avais un pour un, moi, mais un le pont et un. Mais alors, il y a ça, seulement, ce que on n'a pas eu le temps de vérifier, parce que de toute façon, les services de l'État ne nous ont pas donné de cote et de chiffrés sur cette altimétrie, sur cette zone inondable. Cette zone inondable, à l'époque, n'était pas connue. Donc si. Ils considèrent que ça risque encore de monter, ils vont nous demander de rehausser le pont. Et donc là, on n'est plus à 1 million, parce que qui demande de rehausser le pont, il va falloir l'allonger aussi, pour aller accrocher plus loin. Donc ça, là, peut-être qu'on va, bouger le chiffrage. Ça, je... Voilà. Mais, enfin, moi, ce que je veux, simplement pour dire que si on cause des choses, il faut peut-être qu'on aille dès maintenant un peu au bout, parce que faire de l'attractivité du PLUI par l'existence de cette pénétrante, effectivement, ça donne envie d'avoir une pénétrante, etc., puisque ça sera bien pratique pour nous, ça, c'est clair, là-dessus. Sauf que si dans plusieurs mois ou années, quand elle se réalisera, on nous explique que, ah oui, non, mais on l'a fait la pénétrante, sauf que vous en payez un tiers la Comcom, un tiers la commune, éventuellement, je ne sais pas si... Il faudrait... Qu'on aille jusqu'au bout, quoi. Non, on est passé à 20, là. Et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on ne découvre pas un peu plus tard que cette pénétrante, elle n'est pas financée uniquement par la communauté de communes. Oui, c'est pour ça que j'ai dit en préambule, je ne voulais pas que... C'est bien que tu ne peux pas le dire aujourd'hui. Ah ben, ce soit l'argument. Je comprends bien, mais voilà. Moi, c'est un souci pour moi, ça. Voilà. Oui, le financement de tout équipement est un questionnement. Est-ce que vous avez des questions ? Arnaud, Paulette, Andy, Jean-Louis, Franck, Marie-Hélène, allez-y, profitez-en. Parce qu'il faudrait quand même qu'on fasse notre conseil municipal qui est quand même qui sera relativement long, je pense. Voilà. C'est bon ? On libère Lionel. Merci. Merci à vous, Lionel. Bien. Vous avez la feuille de présence, Marie-Hélène, donc vous allez nous faire l'appel. Oui. Alors, Jean Aubanel, Virginie Bonin, Franck Bonnet, Nicolas Broche, Jean-Louis Bruère, Thierry Capiot, présent. Paulette Carémio, Cathy Collomb, procuration à Marie-Jeanne Lapierre, Cathy Échalier, Georges Foucuy, Arnaud Froment, Sébastien Gadille, Gérard Zegner, procuration à Christiane Reynard, Marie-Jeanne Lapierre, Josie Laurent, Vera Lopez-Maltès. Pas de procuration ? Bonsoir, Lionel. Bonsoir. Jean-Paul Manifassier, procuration à Paulette Carémio. Jean-Marc Michel, présent. Christiane Reynard, présent. Annie Richard, présent. Françoise Rieux-Fromentin, présent. Floriane Souterrain, procuration à Jean Aubanel, Hubert Thibon. Merci beaucoup Marie-Hélène. On va désigner une secrétaire de séance. Merci Christiane. Non, tu es d'accord ? Super, merci. À moins que quelqu'un veuille prendre la place. Je sais qu'elle aime bien. Merci Christiane. Approbation du procès-verbal du 6 mai 2022. Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès-verbal ? Vous avez tous lu attentivement, d'ailleurs, il y a une interrogation écrite. Pas de remarques, hein ? Donc je fais passer au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Donc c'est voté à l'unanimité. Merci. Premier point. La convention ADN, vous savez, on a passé toute une liste de conventions sur le domaine public avec ADN qui est en charge de l'installation de la fibre. Et là, il nous en arrive une autre qui se trouve sur Braic, à la rue des Écoles à Braic. Il suffit de leur donner l'autorisation de conventionner pour occuper ce domaine public. Voilà.
Donc c'est une convention supplémentaire par rapport à toutes celles que l'on a faites auparavant. Vous vous souvenez, on avait fait un vote en bloc. On avait bien saucissonné tout ça, mais on avait voté l'ensemble des conventions à faire sur ce domaine public. Marie-Jeanne, hein, parce que c'est chez toi. On utilise les poteaux existants. C'est un souterrain. Non, c'est du câble en façade. Ah, c'est en façade, oui. Bien. Donc, bon, je fais passer au vote pour cette convention avec ADN. Est-ce qu'il y a des concernant la rue des écoles à Brailly, qu'est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions. Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je suis. Point numéro 2, le bâtiment de la station médicale. Alors, on s'est attaché un petit peu à regarder les conventions qui avaient été faites, les actes qui avaient été faits, pour savoir où on se situait. Et on s'est aperçu, je ne sais pas si vous avez eu des documents, vous avez dû les avoir, que le bail professionnel se terminait le 5 juin 2023. Par contre, il fallait dénoncer justement ce bail pour qu'on puisse nous récupérer le bâtiment. Un an avant, ce que l'on a fait. Donc, c'est un bâtiment que, étant donné que le bail est dénoncé, nous revient de fait. Ensuite, on va voir de quelle manière on gère avec les professionnels de santé. On n'a pas dit qu'on mettrait les professionnels de santé dehors, loin de là. Mais disons que ça va nous permettre de faire la jointure avec la nouvelle station médicale. Voilà, pour résumer la chose. Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez que j'approfondisse la chose? Je vais plus loin. Oui. Oui, simplement, je voudrais comprendre pourquoi, quel est, pour la commune d'Evance, quel est l'intérêt de la chose, qu'est-ce qui nous pousse à aller dans ce sens. Voilà, parce que je... C'est un bâtiment qui appartient à la commune d'Evance. Je ne voudrais pas rappeler l'ordre du jour du conseil municipal du 22 décembre 2014, où sous l'ancienne mandature, il avait été proposé de céder gratuitement ce bâtiment à la communauté de communes en même temps que son foncier. Moi, ça me, vu comme ça, au jour d'aujourd'hui, ça me dérange, parce que c'est un bâtiment qui a une certaine valeur. Alors, le but, c'est de récupérer ce bâtiment. Le but, c'est de ne plus avoir de professionnels de santé à terme ici, et que les professionnels de santé se trouvent au niveau des soins à la nouvelle station médicale. Ce n'est pas dit. Ensuite, il va être peut-être proposé à la communauté de communes une possibilité de le racheter, puisqu'on est propriétaire, ou de le louer. Pourquoi pas? Mais déjà qu'on en prenne possession dans un premier temps. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Arnaud? En partie. Je vais rajouter quelque chose. Voilà. Suite à... Voilà, vous m'entendez là? Suite à la réunion qu'on a eue avec Jean-Marc à l'ARS, donc si on déplace la station médicale, donc du coup, l'ARS nous a bien dit on déplace, mais on ne peut pas avoir deux maisons médicales sur le secteur. Donc on est obligé de faire... voilà. Il n'y a pas le choix là-dessus. Sinon, c'est bien le déménagement qui est plus proposé. Une MSP. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est la directrice de Mme Soriano qui l'a dit. Et même le sous-préfet l'a dit à une réunion où il y avait tout le monde. Est-ce que vous avez vu les documents là que... Oui, oui, on ne veut plus. Mais nous, on ne veut plus qu'il en reste là-bas. Ça, on peut ça, pas avoir, ça, on peut ça, avoir deux systèmes. Ça ne les oblige pas à aller à la nouvelle station. Ceux qui veulent aller à la nouvelle station iront à la nouvelle station. Ceux qui ne veulent pas y aller ne resteront pas dans ce bâtiment-là, gratuitement ou avec des loyers dérisoires par rapport à ce que les autres payent. Ça implique uniquement ça, et pas plus.
Voilà. Je voudrais vous lire deux petits paragraphes quand même, parce que j'ai épluché tout ça. Je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était, connaître un peu les tenants et aboutissants de l'affaire. À un moment donné, on nous dit que les parties se sont rapprochées afin de convenir des modalités de mise à disposition de ces locaux, spécialement aménagés et dénommés station médicale Léopold Ollier, sous la forme d'un bail professionnel d'une durée initiale de 15 ans. Donc ça a été signé en 2008 et 2023. Alors, la durée du bail, il s'est consenti et accepté pour une durée de 15 ans qui a commencé à courir le 5 juin 2008 pour s'achever le 4 juin 2023 à minuit. Alors, la commune des Vences récupère le bâtiment dans sa pleine propriété. Voilà. Et ça nous donnera la certitude que ce bâtiment ne sera pas utilisé à des fins, on va dire, médicales, lorsque la maison médicale sera réalisée. Voilà. Je voudrais compléter. On a toujours parlé d'un bail emphytéotique. Pardon, pour jeter sa parole après. Hein. Non, mais c'est parce que j'ai le commentaire de Jean-Paul. Comme je représente Jean-Paul, j'ai la voix oui, de Jean-Paul. Oui, je te laisserai la parole. Je donnerai le commentaire de Jean-Paul. Depuis le mandat précédent, on a parlé d'un bail emphytéotique. Nous, on s'était mis dans la tête un bail emphytéotique. Bon, c'est bon, 99 ans, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça. Je me suis rapproché de l'étude de Maître Chanu, et de Maître Chanu en particulier, qui nous a dit, mais c'est un bail emphytéotique, effectivement, mais de 15 ans. Mais de 15 ans. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que la compétence santé n'est pas une compétence d'un comité de communes. On parle bien à la compétence action sociale et à la gestion du bâtiment. C'est tout. De là à ce qu'on ait signé un contrat local de santé, moi, ça me va tout à fait, parce que la santé, ce n'est pas que les soins, c'est tout ce qui environne. Totalement d'accord. Mais ne pas s'appuyer sur la santé pour pouvoir conserver des professionnels de santé là-bas, au détriment de la station, de la nouvelle maison de santé que l'on veut mettre en place. En deux mots, j'ai résumé, c'est ce que je veux. Alors, j'espère que vous avez eu tous les documents, parce que je les ai décortiqués de A à Z. Je les ai soumis à Chanu. J'ai eu un retour, les baux professionnels qui ont été signés entre la communauté de communes et les professionnels de santé. Tous ces baux professionnels s'achèvent en janvier 2020. Alors, tout ce qui est fait, sans faire mention de la date, parce qu'il est bien précisé qu'à chaque modification, il faut faire mention de la date du 4 juin 2023, chaque fois dans chaque document. Et nous, je veux dire, en tant que propriétaire, tous ces baux qui ont été signés, on n'en a jamais eu, jamais vu la couleur, on n'en a jamais été informé. Alors, c'est un peu dérangeant. Paulette, je te laisse la parole. Hein. Bon, ben, je vais lire ce que Jean-Paul a marqué. Hein. Oui. Donc, le comportement de la municipalité inadmissible pour ce bâtiment de la maison médicale. Aucune discussion à ce jour avec la Comcom sur ce sujet. Actuellement, la gestion de la maison médicale est déléguée à la communauté de communes, ce qui me semble plus logique car les médecins interviennent sur l'ensemble des communes. Quel est l'objectif ? Vendre ce bâtiment qui abrite la maison médicale publique afin d'obliger tous les professionnels de santé à aller dans la future maison médicale privée sur le site de l'hôpital. Il votera contre. Non, non, mais tout à fait. On est très bien, on est très conscient quand même que les maisons de santé, même si elles se situent au Vence, ce sont des maisons qui concernent la santé du territoire. Elles ne sont pas bâties que pour les Vinciens. Hein. Et j'ai coutume de dire que les cartes vitales ont la même couleur pour tout le monde. Elles sont vertes, hein, que ce soit de la médecine privée ou de la médecine publique. Hein. Sébastien. Moi, je vais juste revenir par rapport aux propos de Jean-Paul. Le débat avec la Comcom, je l'ai demandé. J'ai fait des écrits. Il n'a jamais eu lieu. Au niveau de la santé, il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Donc après, je ne sais pas où ils veulent aller. Donc c'est clair là-dessus, ils ne veulent pas qu'on ait de débat sur la santé. Alors qu'il y a beaucoup de professionnels qui le demandaient, et bon, c'est resté lettre morte. Donc et j'ai fait des relances. Je pensais que vendredi, on en débattrait, on n'en a pas débattu. Alors voilà, je ne sais pas où ils veulent aller sur la santé. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez d'autres remarques là-dessus ?
Donc j'ai bien entendu, Paulette, ce que tu as retranscrit de la part de Jean-Paul. Je suis en partie d'accord. Je suis en partie d'accord que c'est vraiment de la médecine pour le territoire. Tout à fait d'accord. Mais peut-être il avait oublié le fait de ce bail professionnel sur lequel le bâtiment revenait à la commune de Vence. Ça correspond tout à fait à l'échéance des emprunts. Emprunt terminé. Savoir que la partie haute avait été financée par la commune de Vence et le rez-de-chaussée avait été financé par la communauté de communes au travers des emprunts qui se terminent en 2023. Alors, moi, ce que je propose, c'est que la commune de Vence récupère ce bâtiment. Ensuite, on a créé un groupe de travail concernant les bâtiments communaux et on décidera effectivement ce qu'on veut faire. On proposera à la communauté de communes s'ils veulent l'acheter, s'ils veulent l'utiliser, par exemple, pour faire sous la forme d'une location pour, je dirais, tout ce qui est prévention de la santé. Pourquoi pas ? On est ouvert à tout, hein. Mais ce qu'on voudrait récupérer, c'est la propriété de ce bâtiment. Voilà. Josy ? Oui, de toute façon, la délibération le dit clairement qu'en 2023, au 4 juin 2023, le bail il pourrait courir de nouveau, sauf que l'une ou l'autre des parties, un an avant, 12 mois avant, c'est-à-dire au 4 juin 2022, dénonce le bail. Donc c'est ce que nous avons fait pour pouvoir récupérer ce bâtiment, sachant bien sûr que le personnel médical qui l'occupe actuellement ne sera pas mis dehors au 4 juin 2023, ça il en est hors de question. Mais on leur proposera, bien sûr, les locaux de la future station médicale lorsqu'elle sera terminée. Et si ça ne leur convient pas, mais ils feront comme on fait certains kinés, etc. Ils iront dans un cabinet privé, puis c'est tout. Hein. Et nous, le bâtiment, comme l'a dit très justement Jean-Marc, on le proposera, si on ne veut pas le conserver d'ici là, enfin, on le décidera tous ensemble, on le proposera à la communauté de communes si elle veut y mettre ses services dans le cadre de sa compétence action sociale ou autre. On pourra le proposer. Mais c'est vrai que les baux qui ont été signés avec la communauté de communes et le personnel médical actuellement qui la fréquente, on n'en a jamais vu la copie. Et voilà. C'est des baux, je crois, qui sont renouvelables tous les ans, c'est ça ? Ce sont des baux commerciaux. C'était des baux commerciaux professionnels de 6 ans. Voilà, de 6 ans, oui. Ils sont tous venus à échéance le 25 janvier 2020. C'est ce que je t'avais fait passer, Sébastien. Hein. C'est simplement la légalité de la délibération de 2014 qu'on suit. Et c'est le problème, il est identique pour le centre sportif. Hein. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Bien, est-ce que vous avez d'autres remarques là-dessus ? Je fais voter si vous voulez. J'ai pas d'instruction de la part de Gérard, donc je vote pas pour lui. D'accord. D'accord. Mais je vais poser simplement la question au niveau de la décision qu'on va prendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la commune de Vence récupère ce bâtiment l'année prochaine, le 4 juin 2023 ? Qui est contre ? Oui ? OK. Qui s'abstient ? Deux abstentions. Donc c'est vous. Pardon ? Voilà, donc c'est voté la majorité. Merci. Alors, du même tonneau, c'est la même chose, et je le dis en présentant, à part que ce n'est pas pareil. Là, il y avait une convention de mise à disposition du bâtiment de l'espace intercommunal, toujours, en cherchant dans les conventions, en cherchant dans les actes, et on s'est aperçu qu'il y avait un conventionnement qui avait été fait entre le SIDET et la commune de Vence, qui récupère ce bâtiment à l'échéance des emprunts, autrement dit, le 10 avril 2023. Alors, c'est vrai que là, ça pose quand même un petit problème. C'est un espace intercommunal qui est fréquenté aussi par les communes qui sont les communes du territoire. Il y a aussi une adjonction qui a été faite, une annexe qui a été faite, qui a été financée par la communauté de communes sur du foncier vancien non régularisé.
Bon, c'est un peu tout ce micmac qu'on vient remettre un petit peu en ordre de bataille. Alors, la durée de la convention, je ne sais pas si vous avez le document là. La présente convention est valable jusqu'au terme de l'amortissement comptable pour une durée de 20 ans, sachant que la convention a été signée le 10 avril 2003. 2003 plus 20, 2023. À l'issue de cette période, le bien redevient propriété de la commune des Vences qui en assumera toutes les charges de fonctionnement. On sait combien ça coûte. Cependant, toutes les communes pourront continuer à bénéficier d'un droit d'accès à l'équipement moyennant une participation financière dans le cadre de la reconduction de cette convention ou d'une nouvelle avec un syndicat ou toute autre structure qui viendrait à s'y substituer. Si aucune convention n'est signée avec un syndicat ou une structure équivalente, chaque commune pourra signer une convention bipartite avec la commune des Vences. Ce que je veux dire, même si la commune des Vences, si ça lui revient de plein droit, si elle en redevient propriétaire, c'est pas pour ça qu'on va fermer la porte aux autres communes. Faut éviter d'être bête. Hein. Voilà. Par contre, ce qu'il faudrait savoir, c'est de quelle manière il pourrait y avoir une participation des autres communes vers nous. Je t'écoute, Paulette. Je vois que tu as allumé ta lumière. Donc, raisonnement identique que pour le point précédent, car aucune discussion avec la Comcom n'a eu lieu. De plus, cela engendrait une charge supplémentaire de plus de 100 000 euros pour la commune afin de payer le fonctionnement, sans compter la reprise des crédits qui concernent les vestiaires. De plus, la compétence sport devrait être intercommunale avec la fusion des clubs de tennis Les Vences Saint-Paul et la fusion des clubs de foot La Blachère Les Vences. Donc, il votera contre. D'accord. Alors, la compétence sport, nous, on a passé nos journées. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que la journée que j'ai passée, je l'ajoute aux trois semaines de documents que j'ai passées il y a deux ans. Parce que, bon, ça ne m'a rien amené. On a fait des propositions, on n'a pas été écouté. Tout ce qui a été restitué, c'était déjà ficelé d'office. C'est le sentiment. Je ne suis pas le seul à raisonner comme ça. Et nous, on a parlé de santé sur le territoire, on a parlé de sport, on a parlé de fonctionnement de l'office de tourisme, on a parlé de fonctionnement de leur comité de communes, mais tout ça, il n'y a rien qui est ressorti, on a parlé de tout à fait autre chose. Mais bon, je voulais en parler à la fin, mais je crois que c'est peut-être l'opportunité de le sortir, ça. Alors, enfin, moi, je rajouterais aussi qu'on a déjà discuté de ça, je parle de l'espace sportif, avec la communauté de communes, notamment Joël Fournier. Oui, il a proposé. Et je trahis aucun secret en disant que Joël Fournier est tout à fait favorable à laisser cet espace sportif à la commune des Vences, pour la simple raison que ça lui fait faire des économies, pas plus. Et la compétence sport, la communauté de communes ne veut surtout pas en entendre parler, parce qu'elle explique à qui veut l'entendre qu'elle n'en a pas les moyens, ni en personnel, ni en contrôle donc, de tous les équipements qui peuvent être dans les diverses communes, donc, et budgétairement encore moins, effectivement. Donc, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, à la limite, je pense que cette reprise de bâtiment, c'est plutôt pour la communauté de communes que c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, l'entretien nous revient, donc avec les dépenses. Et comme disait Jean-Marc, il va falloir trouver une solution pour se faire aider par les autres communes, si elles le veulent bien. Voilà. Donc, si on fait abstraction, je dirais, de tout volet financier, la logique voudrait que tout cet espace qui est dédié au sport fasse partie intégrale, je dirais, de la même structure. Des tennis couverts, un stade de foot, un boulodrome, des tennis non couverts, un gymnase, des vestiaires. Si on veut être logique, oui. Mais bon, là, on est dans ce cas-là, on nous dit bien, écoutez, vous assumerez toutes les charges de fonctionnement. Ce qui veut dire, c'est le chauffage, l'électricité et le personnel qui va avec. Alors, le coût de l'opération, c'est entre 100 et 120 000 euros, par an. Ce qui est sûr, c'est que ce bâtiment nous revient de plein droit en 2023 et que la communauté de communes n'en veut pas. Ça nous a été dit clairement. Ensuite, il faudra gérer les emprunts qui ont été faits sur les nouveaux vestiaires. Il faudra régulariser tout le foncier parce que bon, on est aussi pas clean au niveau de le service technique où on est sur des emprises intercommunales. Bon, voilà,
Il faut qu'on se sorte de tout ça, parce que tout est imbriqué, on ne s'y retrouve plus. Alors, je voulais vous en parler, mais bon, je crois que ça va être le moment de se décider, de savoir ce qu'on en fait. Hein. Alors, le groupe de travail qui s'occupe de nos bâtiments communaux, entre parenthèses, on en a 40, ce qui n'est pas rien, va faire des propositions pour savoir ce qu'on peut faire de ce bâtiment communal. Moi, je pense que on s'est réunis une fois, on a déjà bien travaillé, on a déjà évalué un petit peu ce qu'on voulait faire pour certains bâtiments. Bon, mais il ressort que ces deux bâtiments, et station médicale et espace intercommunal, eh bien, ce serait bien que la commune d'Evance les récupère, puis ensuite, quitte à négocier par la suite avec les autres communes ou la communauté de communes pour la station médicale. Le but, c'est de récupérer la propriété. Voilà. Est-ce que je pensais que j'ai été clair, parce que c'est un peu tortueux, là, il y a un peu... De toute façon, des solutions de gestion, on pourra en trouver, hein, soit à travers l'Office municipal des sports, soit à travers des conventions avec chaque commune par rapport à la fréquentation des gens de chaque commune, comme on fait pour les écoles, hein, les enfants qui viennent des autres communes et qui sont dans les écoles. Voilà. Après, c'est compliqué à gérer, hein, parce que c'est fluctuant. Oui. Oui, moi, c'est une remarque vraiment presque générale, mais j'avais déjà eu l'occasion de le dire, et de façon, enfin, j'espère que je serai cru quand je vais dire ça, de façon totalement innocente et sans polémique du tout, mais je suis catastrophé de voir l'état des relations entre notre commune et la communauté de communes. Je ne jette la pierre à personne, je ne sais pas, je ne fais pas partie de la, oui, des structures. Parce que là, quand j'entends que ce bâtiment... Financé à 60% par la commune des Vals. Pardon ? Financé à 60% par la commune des Vals. Que ce bâtiment, qui pour le commun des mortels, a une vocation intercommunale, c'est même marqué dessus, on va être obligé de revenir à un système de conventionnement de commune à commune, et je me dis qu'on est vraiment en train d'avoir enclenché la marche arrière de façon... Alors, mais encore une fois, je ne jette la pierre à personne, je ne fais pas partie des instances, je ne sais pas qui est responsable, certainement, comme souvent, les responsabilités sont partagées, mais il n'empêche que, vraiment, je suis atterré. Voilà. Mais je pense quand même qu'on a des remontées des associations valenciennes au niveau de la gestion du bâtiment. Sébastien, tu veux en parler en deux mots ? Parce qu'au niveau de l'organisation des salles et de la gestion du bâtiment, tout le monde se plaint. Parce que personne ne s'en occupe. Donc, et ça nous retombe dessus du commune de Vals. Ouais, suite aux réunions à l'OMS avec toutes les associations, elles étaient quand même 13 ou 14 présentes à l'unanimité. Trouve que la gestion du bâtiment intercommunal est mal gérée, ils ont du mal, ils n'ont pas d'interlocuteurs, ils ont des agents, mais il n'y a pas d'élu qui suit ce bâtiment-là. Donc il y a un gros souci au niveau gestion, au niveau créneau, bon, c'est les conflits en permanence entre les assos, c'est pas fait pour ça. Et du coup, c'est vrai qu'eux, ils ont clairement dit, si l'Evance peut le récupérer, ça arrangerait tout le monde. Après, comme je leur ai dit, c'est un coup. Après, voilà, c'est pas anodin. Mais c'est vrai que c'est compliqué au niveau gestion globale du sport. Il se trouve cisaillé entre les subventions Vance. On donne les subventions Vance. Notre commune en donne un petit peu, pas toutes. Et le souci, là, et la gestion, il n'y a pas d'interlocuteur. Le problème, c'est ça, c'est... Concernant ta remarque, Arnaud, concernant les relations que l'on a avec la communauté de communes, lorsque la commune des Vannes sera un peu plus écoutée, ce qui n'est pas le cas, parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, on fait l'inverse à notre dos, peut-être qu'on changera notre fusil d'épaule. C'est bien pour ça que je le dis officiellement devant tout le monde. Hein. C'est bien pour ça que je disais que mon intervention n'était pas du tout polémique et tout ça. Je dis simplement que le constat, d'un citoyen lambda qui est un petit peu plus parce qu'il est au conseil municipal, mais c'est de se dire que quand même le sens de l'histoire, entre guillemets, en employant des mots bien,
c'est quand même d'aller vers l'intercommunalité, vers la gestion en commun des problèmes, que c'est vrai au niveau international, comme c'est vrai au niveau de tout bêtement d'une commune. Tout ça fait que... Non mais l'intercommunalité ne fait pas mystère de son refus de gérer le sport. Très clairement, je veux dire, là-dessus, ils sont clairs. Mais c'est bien pour ça que je regrette tout ça, mais encore une fois, je ne vous mets... C'est la question, là. Le sport n'est pas une compétence obligatoire pour la Comcom, donc ils ne le prennent pas. Après, c'est leur choix. Voilà, c'est pareil, le débat n'a pas eu lieu, même si je l'ai demandé aussi. Qu'on ait un débat clair, au moins qu'on dise les choses, mais il n'y a pas de débat au sein du conseil communautaire, jamais. Alors, après, voilà. Arnaud, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette situation, elle est très regrettable, mais elle est peut-être de la faute de personnes individuellement, mais peut-être que les communes qui sont regroupées, là, n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, tout simplement. Alors ensuite, ce bâtiment qui nous revient, bon, là, on l'a constaté, on n'y est pour rien. Ça a été délibéré comme ça il y a 15 ans, ou je ne sais plus combien d'années. Donc, il nous revient, il y a 20 ans. Donc, il nous revient. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Puisque maintenant, on en devient propriétaire. Si la Comcom veut continuer à le gérer, bon, soit il nous le loue, soit il nous l'achète. Il n'y a pas d'autre solution, il nous revient. Parce qu'on paye déjà quand même, nous, 60%. On est les meilleurs payeurs, hein, je veux dire, au niveau de la Comcom. On a payé 60% de l'investissement. Voilà, de l'investissement. Et on paye 60% des charges. Et des charges de fonctionnement aussi, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que la commune des Vences, elle paye deux fois, pour ainsi dire. Hein. C'est 33%, en gros. Voilà, donc, voilà. Après, on peut être ouvert à toute proposition, mais voilà, il faut en parler, il faut en discuter. On a le sentiment de ne pas avoir d'interlocuteur ou d'être devant un veto à chaque fois. C'est ça qui est dommage. Bon, Sébastien, il peut en témoigner puisqu'il a demandé plusieurs réunions qui n'ont pas eu lieu. Et puis, si on avait des retours positifs, mais apparemment non, donc je pense qu'il faut agir, quoi. Il faut faire quelque chose pour que ça aille mieux pour les administrés, pour tous les gens qui fréquentent ces bâtiments. Mais, de toute façon, on est bien au service de la population. Tout à fait. Avant tout. Tout à fait. On n'est pas là pour se faire plaisir. Bien. Donc le bâtiment nous revient légalement, alors qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Bon, écoutez, moi je vais vous faire la même proposition que pour la station médicale. Hein. On a quelques mois pour réfléchir. Donc je pense qu'on va avoir le même vote. Hein. Pour récupérer donc, cet espace intercommunal le 10 avril 2023. Si je peux me permettre, j'ai l'impression quand même que les... Parce que tu dis que tu présumes le vote à l'avance. Bon, d'abord, on va peut-être attendre que chacun ait voté. Mais je le sens venir. Non, mais il me semble quand même, ou alors je n'ai pas tout compris, mais il me semble qu'il y a une différence fondamentale. C'est que dans un cas, c'est une décision relativement unilatérale de la part de la commune des Vences pour la station médicale, pour, en effet, on a bien compris, faire en sorte que les professionnels de santé soient incités, on va dire ça comme ça, à aller vers la nouvelle station médicale, avec les limitations. Mais dans l'autre cas, il s'agisse... en fait, la communauté de communes n'en veut pas de ce... Donc, les circonstances sont assez différentes, me semble-t-il. Ou alors, j'ai quelque chose qui m'a échappé. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la même chose, à part que ce n'est pas pareil. Et voilà. Et c'est pour ça que peut-être que le vote ne sera pas pareil. C'est pour ça que je me permettais d'intervenir. Merci de la remarque. Je me suis un peu avancé sur ce que j'ai dit, peut-être. Pour revenir à la station médicale, Arnaud, qu'est-ce qui a poussé à créer une nouvelle station médicale au départ, hein, parce qu'il y a 2-3 ans que le projet il est là. Bon, elle est devenue obsolète, puisqu'il y a beaucoup de médecins qui sont partis, de kinés qui sont partis, ils n'étaient pas contents. Bon, et puis, c'est vrai qu'elle devient obsolète. Et on voit bien, on veut aller voir un médecin, il faut attendre combien de temps ? Certains médecins n'ont rien fait pour garder les collègues. Il y en a certains qui les ont fait fuir. Hein. Oui, mais ça, c'est un problème entre eux. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des problèmes de gestion... tout simplement par rapport aux problèmes et de climatisation et de chauffage ou autre, enfin, je ne sais plus, mais ils n'avaient pas vraiment de réponse dans la semaine qui suivait quand il y a eu des soucis. Donc c'est peut-être ce qui les a fait fuir aussi, je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être aussi des problèmes intrinsèques, comme on peut trouver un peu partout. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la station médicale est devenue obsolète. Il y a eu des soucis aussi d'humidité, il y a eu des soucis... Le souci des charges a fait pour beaucoup la pression qu'il y a eu entre les professionnels. Oui. Il n'y aurait pas eu de pression de charge entre les professionnels. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient restés.
n'y a voilà, pas que ça, il y a eu des problèmes entre personnes. Mais la pression a renforcé les problèmes de personnes. Bon, enfin, de toute façon, on ne va pas revenir en arrière, c'est fait. Hein. Et je pense qu'on a l'aval de tout, du préfet, du sous-préfet, vous l'avez vu en réunion, pour ce projet qui, quand même, c'est l'avenir. C'est l'avenir, une station médicale plus importante, justement. Là, on prouve qu'on pense à tout le bassin de la Basse-Ardèche, hein, en faisant ça. On va avoir quand même plus de médecins, des ophtalmos qui sont déjà venus. Bon, et puis ils sont contents parce qu'il y a ce nouveau projet, il y a ces nouveaux locaux. Donc on va avoir plus de compétences et puis il y aura un parking, ça sera plus moderne, plus neuf. Là, on a quand même restauré un vieux bâtiment, il ne faut pas l'oublier. On était contraints dans l'espace existant. Là, ça va être quand même plus moderne. On va avoir un espace d'urgence. Donc je pense que... On va vers le mieux, là, quoi qu'il en soit. Toujours difficile, hein, dès qu'il y a un changement, ça fait toujours peur, mais je pense qu'on va vers le mieux. Après, le bâtiment, il existe et il servira toujours à quelque chose, hein, il n'y a pas de souci. Bien, j'ai intégré la remarque d'Arnaud, et cette fois-ci, je vais faire voter. On est sur le même principe donc, que pour la station médicale. Est-ce que nous récupérons ce bâtiment le 10 avril 2023. De toute façon, Jean-Marc, il nous revient de droit. Il nous revient de droit. Hein. Donc, on est obligé de le récupérer. Donc, on ne peut pas. Ah, mais qu'il y en a qui soient contre. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? De toute façon. Il est contre de le récupérer. Oui, mais si la Comcom ne le veut pas. Si la Comcom ne le veut pas, de toute façon, la convention, ça nous revient de droit. Pas besoin de voter, il nous revient de droit, Jean-Marc. Oui, non, parce que si la Comcom ne le veut pas et si nous, on ne le veut pas, on en fait quoi? Non, mais nous, on le veut. Non, mais j'entends bien. Donc, Jean-Paul est contre. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une, deux abstentions. Donc, c'est voté à la majorité. Merci beaucoup. Bon. On va passer, j'allais dire, à quelque chose d'un petit peu plus gai. La proposition de nom de rue à Nave. Tu as donné procuration, c'est qu'il veut que tu votes comme toi. Oui. Bien. Du moment que tu ne te donnes pas des consignes. Ah ben oui. C'est la logique. Hein, si ben oui. Consigne, tu votes non, mais les... Alors, le point numéro 4, la proposition d'un nom de rue à Nave ou d'un espace à Nave. J'ai été contacté par des personnes qui se proposaient de donner, alors que je dirais légalement c'est faisable, hein, le nom d'André Lapierre qui a beaucoup œuvré pour le village de Nave. Un emplacement à Nave ou à une rue. Alors, je vous l'avoue, on n'en a pas contacté parce que je crée un petit peu sa réaction, mais j'aimerais surtout avoir l'avis du conseil municipal là-dessus. Parce que c'est vrai que bon, elle a fait beaucoup, beaucoup pour le village de Nave. Alors, c'est peut-être une reconnaissance quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'elle a fait beaucoup de choses, comme tu viens de le dire, pendant des années, je ne sais plus depuis quelle année, mais ça fait très longtemps, et cette plaque de rue ou de place, je ne sais pas, serait bien méritée. Et en plus, elle pourrait en profiter, comme on dit, de son vivant, parce que bien souvent, on fait des plaques quand les gens ne sont plus là. Mais là, j'espère qu'il acceptera. Voilà. Si on le vote, on peut dire sous réserve que Mme Lapierre soit d'accord. Oui, on a vérifié quand même pour savoir si c'était possible. Et effectivement, on veut lui faire une possible. Belle surprise, mais il faut qu'elle soit d'accord. Quoi. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette proposition. S'il y a des remarques, allez-y. Je suis de l'avis de Cathy, c'est très méritant, et de l'avis de tout le monde. Bon, après, voilà, sous réserve qu'elle soit d'accord, et puis peut-être qu'on peut lui faire choisir l'emplacement. Oui, on peut mettre des conditions dans la délibération, bien sûr. Voilà, on a vaguement touché un mot lors de la réunion de bureau, et c'est vrai que ce qui serait bien, ce serait le jardin public. Voilà.
Donc vous avez des remarques sur cette proposition? Ça serait une bonne chose parce qu'il faut toujours attendre d'être décédé pour avoir des raisons, hein, pour avoir des remarques. Mais on s'est quand même attaché à vérifier si c'était possible. Parce qu'on s'est dit, on donne des noms de rue et d'emplacement à des gens qui sont décédés. Mais on peut. Si je une petite touche d'humour, mais il faut à ce moment-là prévoir un emplacement pour Hubert Thibault. On peut remonter loin aussi. On peut parler de Noël, le garde champêtre. Non, mais il faut reconnaître quand même, elle a beaucoup œuvré pour le village de Nave, elle fait beaucoup de choses, elle continue à en faire d'ailleurs. Je pense qu'il faut quand même lui tirer le chapeau. C'est de manière. C'est pas dit qu'elle accepte, hein. Il faut mettre sous réserve d'acceptation, voilà, et lieu à définir. Hein. C'est grâce à elle que le village est de caractère. Voilà, c'est ça, c'est grâce à elle que le village est devenu un village de caractère. Bon, je fais voter. Sur cette proposition-là de donner le nom d'André Lapierre à un emplacement en Nave, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions. Une abstention. Oui. Donc, c'est voté la majorité. Encore pour moi, les conventions d'autosurveillance. Vous savez que chaque année, on signe avec le PTB des conventions concernant le l'autosurveillance des lieux de médias, on est concerné simplement par le Malpas Cornillon. Et ces analyses, elles sont payées à moitié par la commune des Vence et par la communalisation pour notre site de baignade. Je cherche les montants que j'ai vus, qui sont ici. Ça nous revient à 325 euros divisé par 2 pour l'autosurveillance et à 887 euros divisé pour deux, pour les analyses. Moi, je vous demande de valider ça. C'est normal que, je dis, qu'on sécurise les sites de médias. Et nous, on a, par chance, on en a qu'un. Bon. Donc, pour ces mesures d'analyse et d'autosurveillance, est-ce qu'il y a des voix contre? Et les sommes afférentes, je dirais. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Donc, c'est voté à la à l'unanimité. Je vous en remercie. Josy, je vais te laisser la parole pour la création d'un poste d'adjoint technique au 1er juillet 2022. Merci. Donc, je vais juste faire un petit point par rapport au personnel et puis aux mouvances qui vont se passer là, dans les semaines qui viennent. Sachant qu'on a un agent contractuel qui a donné satisfaction depuis plus d'un an et demi maintenant, qui travaille dans les services techniques, qui est en CDD et pour lequel le CDD arrive en fin de course. Et on souhaiterait, d'ailleurs on le lui avait dit, je pense, lors des entretiens, qu'on le stagiairiserait, parce qu'on était très satisfaits de son travail, que l'équipe technique et que Thierry donc, souhaite le conserver. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour créer ce poste d'adjoint technique? Donc il va démarrer à l'échelon que le centre de gestion décidera, puisque vous savez que dès qu'on est stagiérisé et titularisé ensuite, le centre de gestion récupère la carrière que vous avez fait précédemment, même dans le privé, les services militaires, etc. Donc il va passer adjoint technique, peut-être au deuxième, au troisième échelon, ça c'est le centre de gestion qui le validera. Donc on créerait ce poste d'adjoint technique, donc à la fin, dès le lendemain de son contrat, qui termine au 30 juin, je crois, c'est ça Marie-Hélène? Voilà, donc ça serait à partir du 1er juillet. Si vous en êtes d'accord. Alors, d'autre part, on a un adjoint technique qui nous a sollicité pour demander une mutation donc, sur la commune de Chambonas. Donc, cet adjoint technique, il va nous quitter, il va être muté, je crois, d'ici fin août ou fin septembre. J'ai plus en date la... Début septembre. Début septembre. Et nous avons, par contre... une autre personne qui est en CDD depuis janvier 2022, qu'on a donc embauchée dans l'équipe technique, mais dans les bureaux. Hein, donc, elle est venue pour aider Elisa. Et cette personne donne largement satisfaction également. Donc, si vous en êtes d'accord, le poste d'adjoint technique qui va rester dans l'organigramme,
puisqu'on a un agent muté, on le conserve pour cette personne qui pourrait donc le récupérer à partir du 1er janvier 2023. Ce qui fait qu'on ne créera pas de poste, il existe dans l'organigramme, mais on la stagiairiserait, on la titulerait sur le poste de l'adjoint qui est muté à Chambonnas. Voilà, donc ça veut dire qu'on crée un poste d'adjoint technique pour la personne dont je vous ai parlé précédemment, et l'adjoint technique qui s'en va, on n'annule pas son poste, puisque dans 6 mois, la personne qui a été récupérée à l'équipe technique, au poste administratif, pourrait le prendre. Si vous en êtes d'accord, donc on votera tout en même temps après, un poste après l'autre. Et d'autre part, pour donc cet agent qui s'en va et qui était donc aux espaces verts et qui donnait entière satisfaction, il faudra qu'on lance d'ores et déjà un appel à candidature. Et là, on ne peut pas créer le poste parce qu'on ne sait pas quelles sont les candidatures qui vont arriver. Est-ce que ça va être quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de la fonction publique? Voilà, donc on va lancer un appel à candidature parce qu'il va vraiment manquer à l'équipe, hein, puisqu'il gérait les espaces verts. Voilà. Oui, en plus, il était vraiment très spécialisé dans le domaine. Hein. Et ouais. Sincèrement, je le dis, devant tout le monde, on le regrette beaucoup. Voilà. Donc, c'était un très bon agent. Donc, on va lancer un appel à candidature. Et puis, selon la personne qui sera recrutée, elle sera ou fonctionnaire ou pas. Donc, il est trop tôt pour préjuger du poste à créer pour cette personne. Mais enfin, on va bien sûr faire un appel à candidature pour un adjoint technique. D'abord, dans la fonction publique, sinon on refera un CDD. Hein, voilà. Et puis le quatrième et dernier point dont je voulais vous parler et vous rappeler, puisqu'on en avait parlé en commission du personnel, c'est notre cadre A donc, du service culturel qui, vous vous souvenez, donc avait été d'accord pour faire un temps complet, non plus un temps incomplet, puisqu'elle fait un temps partagé avec la communauté de communes. Donc là, à partir du 1er juillet, ou juin, non, juillet, pardon, juillet. À partir du 1er juillet, elle est à 100% la commune d'Évance. Donc il faut régulariser sa situation statutaire et prendre une délibération, que son poste est créé, mais de le faire à 100% au lieu de 60%. Voilà pour les mouvances du personnel. Josy, pourquoi tu dis pas les noms des gens? Moi, parce que ça se dit pas. Vous n'avez pas le droit, moi je l'ai sous les yeux, là. Et tout le monde les connaît. Ah, ça, je comprends pas. Non, 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 on parle de fonction, là. On parle de fonction. Ce qui concerne le personnel, c'est confidentiel. On n'a pas le droit de nommer les gens. On parle en grade et en poste. Mais oui. On peut en parler en commission du personnel, mais pas publiquement en réunion du conseil municipal. Mais oui, on n'a pas le droit. De quelle manière tu veux qu'on procède au vote là? On fait voter alors, tout, oui, point oui, par oui, point. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Ensuite, je voudrais simplement rappeler qu'on a un ASVP qui arrive fin juin pour aider donc l'équipe. Ça, c'est un rappel, hein. Saisonnier. Saisonnier, un saisonnier de 3 mois. C'est un militaire à la retraite qui a postulé pour aider l'équipe là sur les marchés. Et il travaillera le samedi pour aider les ASVP. Et que nous avons reçu donc les dossiers de promotion interne comme tous les ans par rapport à tous nos agents qui peuvent prétendre à un grade supérieur. Donc vous savez que tous les ans, on remplit ces dossiers de promotion interne. Ils partent au centre de gestion et c'est bien sûr le centre de gestion qui décide si oui ou non ils passent. Donc avant le 30 juin, avec Marie-Hélène, on va donc refaire passer tous ces dossiers. Il y a à peu près 4 ou 5 agents qui peuvent prétendre au poste de catégorie B rédacteur en filière administrative. Et il doit y en avoir 2, je crois, qui peuvent prétendre au poste d'agent de maîtrise en filière technique. Donc on va refaire passer tous ces dossiers comme l'année dernière. L'an dernier, voilà, on avait eu un agent de maîtrise, je crois. Un agent de maîtrise qui était retenu. Voilà. Donc peut-être cette année, on aura un rédacteur ou un agent de maîtrise, on verra. Sachant qu'il y a concurrence, puisque c'est au niveau départemental, je le rappelle. Voilà, donc peut-être, oui, Jean-Marc, on peut procéder au vote. Donc, qui est d'accord pour... ou qui est... Fais voter, voilà. Fais voter, Josy, je t'appuie. Oui, d'accord. Donc, pour la création de ce poste donc, d'adjoint technique, à partir du 1er juillet, je me trompe, à partir du 1er juillet donc, 2022, le poste d'adjoint technique, est-ce qu'il y a des voix contre, hein? Des voix contre, des abstentions? Non, pour une personne. J'ajouterai que c'est quelqu'un qui donne entière satisfaction.
Thierry, qui est l'élu référent, il en a enchanté. Oui. Et dans l'équipe, il est absolument bien intégré. Et son responsable sur le terrain en est aussi enchanté. Donc, dans la foulée, si vous que voulez, faire de mieux on crée le deuxième poste d'adjoint technique, mais à partir du 1er janvier 2023, pour la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous en êtes d'accord aussi, pour ce deuxième poste, puisque la personne est en CDD actuellement jusqu'à la fin de l'année. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et donc, pour transformer le cadre A de 60% à 100%, qui est contre ? Oui, une voix contre. Qui s'abstient ? Une abstention ? Deux, pardon. D'accord, deux abstentions, d'accord. Par contre, il va falloir qu'on lui meuble les 40% pour lesquels pour les 40% supplémentaires pour laquelle elle aura été embauchée. Donc bien sûr, sa fiche de poste va être revue et corrigée, hein, et on va la recevoir la semaine prochaine. Et donc, je réorganiserai une commission du personnel, je pense, début septembre maintenant. Et on refera le point de tout ça. Voilà. Voilà pour le personnel. Bien. Une délibération à prendre concernant la publicité des actes. Pour ce qui concerne les communes de plus de 3500 habitants, c'est réglé. La publicité se fait sous forme électronique. Pour les communes de moins de 3500 habitants, on a le choix, le faire sous la forme d'affichage ou sous la forme électronique, sachant que si on ne délibère pas à un moment donné pour prendre position, il se fera automatiquement sous la forme électronique. Si j'ai résumé, Marie-Hélène, c'est ça ? Voilà. Avant le 1er juillet, c'est demain. Alors la délibération qu'on doit prendre, c'est de quelle manière on procède. Est-ce qu'on laisse à l'État ? Est-ce qu'on continue sur de l'affichage ? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment une délibération de principe. Hein. Sachant que si on ne répond pas à ce délib, elle sera définitivement sous forme électronique. Est-ce qu'on reste sous les deux formes ou est-ce qu'on laisse filer ? Ça se fait sous forme électronique ? Ça vous laisse dubitatif, ça. Mets le micro. Complément d'information, Marie-Hélène. Alors, à votre demande, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que c'est la publication de tous les actes administratifs, qu'il s'agisse des délibérations, des comptes rendus du conseil, de l'affichage des convocations, de tout ce qui est un acte administratif, c'est-à-dire tout ce qu'une administration publique peut produire. Donc, vous avez le choix encore de choisir les deux formes, c'est-à-dire la publication électronique plus la publication papier. Si vous ne décidez rien, au 1er juillet, ce sera automatiquement la transmission électronique. Voilà. Et ça, tu es au courant ? En sachant qu'actuellement, on fait les deux. Hein. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que la publication électronique, on pourrait s'en contenter, outre peut-être tout ce qui est urbanisme. Est-ce qu'on a le droit de choisir dans des domaines plus précis ? Je ne sais pas. Non. Voilà, c'est ou tout ou rien. Hein. Ouais. Mais on peut conserver les deux aussi. Voilà. Moi, ce que je souhaiterais dans un premier temps, c'est que l'on conserve les deux jusqu'à ce qu'on nous enlève la possibilité de les afficher. Parce que ce serait pas mal. Moi, je vous fais cette proposition. Des remarques, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? On conserve les deux, puis après, on verra voir ce qui arrive après. Hein.
Hein ? Comme actuellement. Oui, comme actuellement. Bon, je vous propose donc de poursuivre tel qu'on est actuellement pour la publicité de ces actes. Est-ce qu'il y a des voix qui sont contre ? Des abstentions ? Donc on poursuit comme ça, parfait. Josy, tu peux nous présenter en deux mots là, le loyer de la maison Weimar qu'on doit réactualiser, oui. Surtout leur faire payer et réellement. La maison Weimar, c'est la maison qui est attenante à la mairie, là, mm-hmm. qui est louée aux réfugiés syriens, et leur faire payer réellement ce qu'ils consomment en eau et en électricité, c'est ça ? Oui. Donc pour mémoire, ce loyer, il date donc du 1er août 2018. Donc ça va faire 4 ans et c'est vrai qu'il a été donc depuis bloqué à un montant loyer mensuel de 400 € avec des charges de 50 €, sachant qu'il n'y a pas de compteur ni d'eau ni d'électricité. Donc ça avait été fait un petit peu comme ça. Donc là, ça fait 4 ans. Donc dans un souci d'équité par rapport aux autres loyers qui sont basés sur l'IRL et puis les gens payent tous leur eau et leur électricité. Bon, maintenant, depuis 4 ans qu'ils sont là, je pense qu'ils ont pris leur marque. Alors on pensait qu'on pourrait un peu réviser ce loyer, puis surtout, si vous en êtes d'accord, y mettre compteur d'eau et d'électricité. Voilà. Sachant que je ne sais pas si c'était prévu dans le loyer à l'époque, qu'il était basé aussi sur l'IRL, mais je crois qu'il est resté bloqué à 400 € plus 50, puisque le bail ne prévoyait pas d'affecter l'IRL comme pour tous les autres loyers. Alors moi, la proposition que je vous fais, c'est peut-être de le laisser... pour l'instant à 400 ou à 420 €, et puis de le baser sur l'IRL, comme ça, comme tous les autres loyers, il sera revalorisé, et puis de leur mettre un compteur d'eau et d'électricité maintenant. Voilà. Maintenant, après, je vous pose la question. Parce que c'est vrai que tous les loyers ont été revus, sauf celui-là. Les charges sont en coût réel ? Les charges, c'est 50 € forfaitairement. Ça a été fait comme ça en 2018. Donc ça fait 4 ans. Je peux lire ce que Jean-Paul a marqué. Le commentaire qu'il avait fait, c'est ce sont les loyers et charges des migrants qu'il avait signé en 2018 après consultation avec Myriam. Il est favorable à la proposition d'indexation des loyers en faisant remarquer que l'état du logement n'est pas terrible et qu'il ne faudrait l'augmenter au-delà. Pour les charges, il est d'accord pour les faire payer au coût réel. D'accord. Oui, ben c'est ce que je vous propose. Hein. Voilà. Oui, donc on leur referait signer un bail classique comme tous nos autres bailleurs, on va dire, nos autres locataires. Et puis on fait installer les compteurs. À part l'eau et l'électricité, il n'y a pas d'autre charge. Non. Ils font leur ménage et voilà. Donc c'était pour la révision de ce loyer. Donc on fait voter sur ces propositions, là, disons qu'on actualise... Et on repart à 400 €, 420... Et sur le coût réel après des charges. Voilà, on laisse à 400 et coût réel des charges, d'accord. Et basé cette sur proposition, là, est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Donc c'est voté à l'unanimité, merci. Pareil pour le renouvellement du bail de la Poste, où il y a eu quelques propositions de modification de la part du locataire. Oui, alors c'est un bail commercial pour la Poste, bien sûr. Donc c'est un bail 369 qui arrivait à échéance là tout récemment. Donc c'est la Poste hein, qui à chaque fois nous refaisait passer le nouveau bail à signer tous les 3 ans. Et là, ils nous ont fait passer un nouveau bail donc avec tous les termes juridiques nouveaux. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils nous ont demandé, puisqu'on re-signe un nouveau bail, de faire tous les diagnostics. Ah ouais, hein, donc, on va faire tous les diagnostics. Et vous voyez, le nouveau bail, donc, il fait 23 ou 24 pages maintenant. Donc, il y a tout. Je peux vous le faire passer si vous voulez, hein, mais les conditions générales, les lieux, le loyer... Donc, le bail est accepté moyennant le loyer annuel hors taxe précisé à l'article 5. Donc, j'y suis à l'article 5. Je ne vois pas le montant. Tu le vois, Thierry ? Il va avoir même 32 millions.
Enfin, c'est autour de... Ça fait environ 1452 euros par mois, si je ne me trompe pas. Voilà, ça fait 1452 euros par mois. Mais là, c'est régulier, hein, c'est basé sur... c'est pas l'IRL, c'est sur l'INC, je crois, maintenant. C'est l'indice pour les baux commerciaux. Voilà. Donc, je peux vous le faire passer, si vous voulez. Il fait 23 pages. Donc, il a été fait par les services administratifs de la Poste. Hein. Mais pas ici, au Vence. Hein. Oui, non, oui, sûr. Voilà. Ça, c'est leur service immobilier qui a fait ça. Donc, on va refaire un bail 369. Hein. C'est ça, Marie-Hélène. Voilà. Et on va refaire les diagnostics. Donc, il faut autoriser le maire à signer ce nouveau bail que nous a proposé l'administration postale. Comme ça qu'on dit. Voilà. Donc, des remarques, je fais. Donc, il y a la surface, il y a tout. Hein. La date des faits est au 1er juillet 2022. C'est pour ça qu'il fallait délibérer maintenant. Hein, puisque loyer annuel, voilà, je le trouve. Loyer annuel est fixé à 17 425,93 euros annuels. Hein. Mmh. Voilà. Oui, ça fait grosso modo 1500 par mois. Voilà. Bien. Donc, je fais voter là pour ce bail commercial avec la Poste. Est-ce qu'il y a des voix contre, hein ? Des abstentions ? Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. Encore à toi, Josie. Et oui. C'est un point qui a été débattu en commission des finances. Ça concerne la décision modificative budgétaire commune et chaufferie bois. Commune et chaufferie bois. Donc, nous avons fait une commission des finances récemment où on a pu donc informer tous les membres de la commission des finances de mémoire. On a fait le point par chapitre, donc dépenses et recettes, investissements et fonctionnement. On a parlé de cette décision modificative dont je vais vous parler ce soir, puisqu'on a fait, on a réalisé un emprunt de 1 million d'euros pour l'ancien hôpital, parce que bien sûr la démolition des pollutions va commencer et voilà, il faut des sous pour ça, puisque vous savez bien, vous vous rappelez que même si on équilibre un budget avec les subventions, il faut quand même faire l'avance des dépenses, puisque les subventions elles tombent après, hein, je le rappelle à chaque fois. Donc on a fait, pourquoi cet emprunt de 1 million d'euros? Parce qu'on s'est dit que si on attendait septembre ou octobre, les taux risquaient d'augmenter d'ici là. Donc, on a profité d'un taux très intéressant auprès du Crédit Agricole à 1,56%. Donc, on a fait cet emprunt de 1 million d'euros. Donc, c'est pour ça qu'on inscrit en DM donc, le montant de cet emprunt. Et il a fallu, bien sûr, inscrire. Alors, je vais vous la faire passer. Je l'ai mise où ? Elle est là. Les fonds ont dû rentrer. Parce qu'en fait, celle qu'on vous a envoyée... C'est rentré aujourd'hui, normalement. Oui, les fonds sont rentrés aujourd'hui. Celle qu'on vous a envoyée, elle a été revue et modifiée hier. Donc, on vous refait passer un exemplaire. Donc, quand vous l'aurez tous sous les yeux, je vous la commenterai. Dossier dont j'ai plus besoin. Oui, je te remercie. Ça y est, tout le monde est là ? Ah. La chaufferie bois et une... Non, mais là, vous en avez une chacun, la chaufferie bois, il n'y a pas grand-chose, je vous la commenterai. C'est bon. C'est bon, tout le monde là les documents. Allons-y. Voilà. Donc, ce que je regrette, c'est que le nouveau logiciel présente ça d'une façon un petit peu plus complexe que c'était présenté avant.
puisqu'on a l'investissement, le fonctionnement, mélangé avec les dépenses et les recettes. Donc, la première ligne, dépenses de fonctionnement, 66,111. Ce sont les intérêts pour l'année de cet emprunt de 1 million qu'on vient de contracter. Hein, donc, 4 000 euros. Ensuite, sur le compte 16, c'est investissement, donc la dépense. Là, on paye donc l'emprunt aussi. C'est l'amortissement de l'emprunt, c'est 60 000 euros pour l'année. C'est-à-dire de juillet à... Puisque la première échéance est en juillet, je crois que c'est tous les 6 mois. L'échéance, ou elle est annuelle, je ne me souviens plus. Mais en fait, elle est annuelle. La première échéance est en juillet, donc c'est 60 000 euros. Ensuite, les 16 000 euros, c'est une dépense pour des travaux de reprise administrative des concessions au cimetière des Vences. Ça, ce n'était pas prévu dans le cadre du BP, donc on les a mis là. C'est une dépense. On a pu rajouter, grâce à cet emprunt d'un million d'euros, pour faire plaisir à Thierry et aussi aux administrés, un complément pour les travaux de voirie, on a mis 21 000, en plus de ce qu'il y avait au BP. Acquisition de matériel, c'est pour l'acquisition d'une nouvelle estrade, puisque celle que nous avions là pour nos fêtes et cérémonies, on ne pouvait plus du tout s'en servir, elle était même dangereuse. Donc, c'est 9 000 euros, enfin 8 000 et des poussières, on a mis 9 000. Les études pour travaux anciens hôpital, 30 000. Et les travaux de démolition des pollutions, 894 000. Donc vous voyez que 894 et 30, on n'arrive pas au million, mais on compensera dans une prochaine DM pour rendre le complément au programme hôpital. Ensuite, pour financer cette DM, le million ne suffisait pas. On a pris 30 000 sur ma cagnotte. Vous savez que j'ai fait au BP travaux sur aménagement urbain. Donc comme ça, on a pu équilibrer la DM. Donc ça, c'est un moins sur un crédit existant en dépenses, hein, déjà. On a besoin de 4 000 euros pour des annulations de titres. Et le million que vous trouvez emprunt, là, qui est en recette. Donc quand vous voyez R devant, c'est des recettes. Et quand vous voyez D, c'est des dépenses. Voilà, donc l'ADM est équilibré comme ça. Pour 1 030 000, vous avez le détail par section en dessous. 1 030 000 en investissement de dépenses. Une réduction de 30 000 euros, ça fait 1 million. Et on a 4 000 en fonctionnement. En recettes et en dépenses, vous le voyez. Hein, 4 000 en haut sur le 6611 et 4 000 sur le 773. Donc voilà pour cette ADM. On sera amené à en refaire d'autres d'ici la fin de l'année, bien sûr. Voilà, je rajouterai une chose, c'est que bon, on y est quand même en attente de la part de l'État du montant du fonds friche. Le fonds friche, c'est ce que vous êtes alloué pour la démolition des pollutions. Tu fais bien de le rappeler, Jean-Marc, puisqu'on est en attente de toutes les notifications de subventions, donc on sera amené à refaire une DM qui aura plus de recettes. Enfin, elle n'aura pas plus de recettes que de dépenses, mais on pourra constater dans cette EDM toutes les recettes qui vont nous être notifiées. On a demandé 820 000 euros. Voilà. Là. Donc là, on rajoutera sur le poste de l'hôpital, bien sûr, quand on va voir ça, sur le poste de l'hôpital, ce dont on aura besoin, et sur la voirie, ce dont on aura besoin. Voilà. Et les subventions, on a fait le point en commission des finances. Les subventions ont toutes été réclamées et elles sont commencées à bien tomber. Je veux parler du tennis boulodrome. Il en reste encore à rentrer. Oui, il en reste encore à rentrer. Il en reste même pas mal. Oui, oui. D'ailleurs, on a encore eu, grâce à cause de ça, un souci de trésorerie ce mois-ci, hein, je le dis. Et on a encore ponctionné sur le portefeuille de la chaufferie bois. Hein, c'était des sous quand même communs, hein, c'est de la commune. Mais sur le portefeuille de la chaufferie bois pour alimenter le portefeuille de la commune. Voilà. Donc on a fait aussi une décision modificative que je vous commente rapidement sur le budget de la chaufferie bois. Alors, elle s'élève à 28 000 euros, cette décision modificative, puisqu'on a eu une réduction de titre à faire de 18 000 euros en fonctionnement. Et on a rajouté 10 000 euros pour faire un équilibre budgétaire. Et ça fait 28 000 euros au total. Donc les réductions de titres, c'est le bureau de la CDC, l'école élémentaire, pour la période de chauffe 2008-2021. Donc on a 18 000 euros donc, qu'on est obligé de réduire. Et par contre, on a 28 000 euros de recettes en fonctionnement par rapport à la facturation de cette année, de l'année 2022. Voilà.
Parfait, donc, c'est une merci, EDM qui équilibre le fonctionnement de la chaufferie bois. On en avait largement débattu de tout ça en commission des finances. Voilà. On demande simplement de valider cette décision modificative. On a vu ça en commission des finances, bien sûr. Je fais passer au vote. Oui, pour les deux. Donc, pour, je fais passer au vote pour le 2DM, si vous en êtes d'accord. Chaufferie bois et commune. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. J'ai juste quelques informations à vous faire passer. Cathy aussi vous en donnera quelques-unes. Ça contient en particulier, en premier lieu, des subventions de la Fédération française de tennis qui rentre actuellement. Il est rentré 50 000 euros qui ont été versés justement au club de tennis, donc, et qui sont reversés à la commune. Ensuite, on fait l'état des lieux au niveau de l'immobilier. Vous savez, avec les déclarations d'intérêt d'aliénés, on a eu une vente de M. Michael Tolègne, une vente d'Andy Garel et Martin Jordi, une vente de Valarché, Ginette et Braille Laurent, et Léa, la vente de Logonidec Guillaume et la vente de Roussel Christophe. Voilà. Je me dois à chaque fois de vous le signaler parce que il faut que c'est dans les règles des choses. Cathy, je te laisse la parole par rapport à la fête de la musique. Sébastien veut parler. Du coup, il y avait juste par rapport à une information. Ça va être une subvention exceptionnelle qui va être donnée par l'OMS avant cadence. Donc, ils ont fait une demande exceptionnelle de subvention dans le cadre d'un projet participatif avec Danse l'Europe, initié par la présidence française au Conseil de l'Union européenne, avec le chorégraphe Angelin Plejokash. Plejokash. Donc voilà, et du coup je vais donner tout ça à l'OMS et du coup ils vont voir, voilà, il y avait une demande de 200 euros, donc voilà. Oui, voilà, voilà. Donc on va participer là-dessus, c'est juste une information. C'est bon, c'est bon ? C'est bon pour moi. Ok. Mais moi je vous annonce la fête de la musique, mardi 21 juin, avec... au programme scène au lavoir dès 21h avec Veux Tigre. Ensuite, une scène place du marché de 19h à 19h30, Vance Cadence. Et dès 19h30, c'est l'école de musique intercommunale du pays des Vences en Cévennes. Scène place Léopold Ollier de 19h à 20h30 avec duo Temple. Et de 21h à 22h30 avec trio Suite M&M. Et aussi, à 22h30, de 22h30 à minuit, une scène ouverte avec inscription obligatoire auprès de Nicolas Sebo au 06 13 43 51 40. Voilà l'affiche que vous allez voir apparaître bientôt. Voilà, en espérant qu'il fera beau. C'est bien ? Ouais. Ben c'est parfait. C'est parfait. Donc les élections législatives de dimanche, tout est calé, que ce soit de votre côté, Paulette, tout est réglé, de notre côté, tout est bon. Oui. Oui. Donc déjà, on attaque à 7h30, hein. Enfin, moi j'attaquerai à 7h30, toujours. Et puis voilà, la journée sera longue, quoi, ça va avoir l'habitude. Attends Jean-Marc, je voulais annoncer qu'on avait reçu une famille, hein. D'Ukrainien hier après-midi. Voilà. En plus de. Et je t'ai appelé à Carrefour, tu ne m'as pas répondu. Ça ne risquait pas. Voilà, quatre personnes, quatre Ukrainiens qui sont arrivés hier après-midi et qui sont aujourd'hui bien installés. Eh bien, c'est parfait. Ça nous en fait combien ? 4, ça fait 18. Avenue du Clos-Monteil. Voilà. Donc ça fait 8, 9, 10, 14 personnes en tout. Voilà. Et Christiane. Bon, j'ai cru qu'il y en avait 18. Bon. C'est bien. Dom m'a demandé de faire une petite intervention. Alors je lui ai donné l'autorisation. Dom, tu t'approches d'un micro, tu appuies sur le bouton rouge. Voilà.
Voilà. Voilà. Et tu nous poses la question, puis on verra. Voilà. Je suis venue pas seulement pour poser la question, pour demander quelque chose au conseil municipal, pour voir un peu, parce que ça nous manquait, le conseil municipal, quand même, c'est intéressant de participer. Non, là, je voulais vous dire qu'en 2016, l'association La Ruche aux Livres a construit une boîte à livres qu'elle a installée, elle a demandé donc à la mairie à l'époque de l'installer, et on a eu un emplacement sur la place Ollier. Je pense que tout le monde sait où elle est, hein, en face, voilà. Hélas, notre ce que je peux dire, c'est que cette boîte, elle est très très présente pour les villageois. Il y a toujours énormément de monde qui met des livres, retire des livres, etc. Hélas, l'association qui l'avait construite, elle est maintenant, elle n'existe pratiquement plus. Et donc, je voulais demander à la mairie, d'abord parce que la boîte, elle commence à être vieille et elle est un peu, elle est trop petite et elle est vieille, il faudrait la changer. Et surtout, je voulais demander à la mairie que ce soit elle qui en soit responsable, étant donné que notre association n'existe plus. Les boîtes à livres, c'est vrai qu'elles sont toutes dans les villages, dans tous les villages, il y en a une. Et en général, c'est sous la responsabilité du conseil, enfin de la mairie. Et je voulais savoir si la mairie pouvait refaire une boîte à livres et puis en être responsable. Quoi. Oui. Passe, Thierry, en réalité, il n'y a pas grand-chose à gérer. Les services peuvent le faire, ça. Ça s'autogère. Ça s'autogère, mais remplacer bon, la boîte à livres, ça devrait pouvoir y arriver. Oui. Oui, oui, ben on peut le faire. Enfin, moi, après, je ne sais pas, la gestion, il n'y a pas de gestion particulière de livres, puisque les gens posent, prennent, etc. Alors, sauf qu'il faudrait en refaire une, parce qu'elle est quand même un peu vieille, quoi. Et alors, soit... On la laisse la voilée. Oui, mais bon, pour en refaire une. Alors, est-ce que c'est la mairie qui se charge de refabriquer une, ou est-ce que... Non, mais ça, on peut le faire. Ou est-ce qu'on fait la caisse? Ou est-ce que vous faites seulement la caisse et la pose? Je ne sais pas, parce que souvent, elles sont en bois. Il y a plein de modèles. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on propose un modèle à un charpentier que vous choisissez? Il ne faut pas te la promettre pour hier. Hein. Je veux dire par là, je ne peux pas te dire demain. Non, bien sûr. On double son volume Oui, on peut le faire, ça. On le double, on le triple, Alors, la remettre au même endroit, je ne sais pas, parce que quand elle a été posée là, en réalité, elle gênait le samedi matin un forain. Ah. Elle avait été, au départ, elle avait été mise sur un emplacement un peu avant, et quand ils en ont remis une, parce que, bon, on l'a changée, ils l'ont mis là où elle est aujourd'hui. Bon, je ne gêne pas. Ah, je n'aime plus là. Ouais, je crois pas. Qu'est-ce que je fais? Rien. on part sur, ouais, on double à peu près son volume, quoi. C'est bon, ça marcherait. Et vous êtes d'accord? Et vous choisissez le modèle, vous? On vous soumettra. Oui. Bien. Super. Voilà. Merci. le conseil est terminé. Donc je remercie de votre participation, qui a toujours été très constructive. Je ne sais pas, justement, le prochain conseil, on en avait programmé un le 29 juin, qui risque d'être décalé début juillet, par rapport à la commission d'appel d'offres dans l'hôpital. Voilà. Mais on vous le fera passer dès que possible, parce qu'on va avoir une réponse. Monsieur Michel, juste en sachant que c'est la semaine où je suis absente. Ah. Le 29 juin, je serai pas là cette semaine-là. Non, mais vous avez entièrement raison, Marie-Hélène. Non, mais je veux dire, très bien. Donc, le 29 juin, je pense qu'on ne fera pas le conseil, on risque de le faire la semaine d'après, début juillet. Donc, la semaine d'après, ce serait le 6 juillet. Ça pourrait être le 6 juillet, mais on le saura demain. Hein. C'est vendredi qu'on le saura. Je vais dire demain, c'est vendredi. Voilà, je vous remercie de votre participation et rendez-vous donc certainement début juillet. Merci.
elle lit